à Annecy, à l'hôtel. Pourquoi Annecy? Parce que je pars pour un week-end avec deux courses. Une demain matin samedi, une autre dimanche matin. Donc demain matin, je prends la route vers 6h30, 6h45 pour aller à Manigot faire un kilomètre vertical. Donc c'est 1000 mètres de dénivelé positif pour 3,4 km. Dimanche matin, par contre, ça sera un peu plus long, ce sera 19 km à Saint-Gervais pour la montée au Nid d'Aigle. Donc là, il est 22h50. Après la longue route que j'ai faite tout seul, je vais aller me coucher d'ici très très peu de temps. Demain matin, on programme un réveil assez tôt, ensuite un petit déjeuner un peu à l'arrache, la route vers Manigot, la première course et le reste de la journée, mais de toute façon, je vous emmène avec moi. En attendant, je vous souhaite une très bonne nuit et je vous dis à demain. Ciao! But are you feeling anything at all? Everybody feels alone. Allez, c'est parti. Il est 6h26, donc j'ai tout pile 4 minutes d'avance, donc c'est parfait. Donc voilà, 3 quarts d'heure de route, et puis j'espère que le soleil va se lever un petit peu d'ici là et que ça va se réchauffer, quoi. Smile on your face, but you're bleeding from the inside out. Donc ça y est, je suis arrivé à Manigot. Comme je vous l'avais dit, c'est un petit déj un peu à l'arrache parce que c'est dans 1h15 que je cours, mais j'ai pas trop le choix. La bonne surprise du jour, c'est qu'il fait 5 degrés, donc ça c'est pas cool, mais je doute pas que je vais vite me réchauffer en courant. Et là, je suis garé au pied de la montée et rien qu'en bas, elle fait flipper. Everybody's on their own. On est parti pour s'échauffer un petit peu, donc en montée forcément, donc le soleil arrive petit à petit. Petite nouveauté, aujourd'hui je cours avec des bâtons. Je teste pour la première fois, donc on verra ce que ça donne. Il y a l'air d'avoir un petit peu de monde quand même, donc on va voir comment se passe la course. On va partir dans le creux là-bas, dans la vallée. On va arriver ici, petit village, et on va monter. On va suivre le téléski. On monte. Et on va jusqu'au soleil là-haut. C'est beau, mais putain que c'est dur. Je suis parti 10 fois trop vite. That I'm better off in the dark. That you'll always be a shooting star. Cause I know, yeah I know, yeah I know that it's a lie. You shouldn't have told it. But I'll never hold it over you. Everybody feels alone. C'est pas magnifique ça? I wanna see the stars collide. I wanna see the burning sky. Inside you. Et bah ça y est, arrivé en haut en un peu moins d'une heure, 58 minutes et quelques. Et putain c'est dur, je sais pas ce que c'est que cette épreuve.
bah je vais redescendre tranquillement parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de remontée mécanique, il n'y a pas de voiture, rien. Donc pour descendre à pied, donc il y a 700 mètres de dénivelé à redescendre. Donc je vais faire ça tranquillement, sans me forcer. Je vais mettre une petite veste parce qu'il fait très très froid au sommet. Et puis après, tranquillement, je vais regarder les championnats de France parce que c'est aussi les championnats de France de kilomètres vertical. Moi, j'ai pas accès parce que je ne suis pas licencié. Et puis après, tranquillement, direction Saint-Gervais, et puis récupération, tente. Et puis voilà. Redescendre et plus le temps passe, plus je me demande comment je vais faire pour assumer demain la course Honeydale, puisque c'est 19 km avec 2000 mètres de dénivelé positif. Donc j'espère que je vais bien me reposer cet après-midi. Voilà. C'est un peu con ce que je fais, non? Je suis allé chercher mon petit low finisher, qui n'était même pas finisher d'ailleurs, parce qu'on pouvait l'avoir avant la course. Donc c'est une petite casquette Oka qui est plutôt pas mal, je trouve. Et puis qui va bien avec mon t-shirt du jour, donc parfait. Franchement, une ambiance terrible pour ce premier kilomètre vertical. Ils ont l'air habitués, l'organisation ça roule au top. Donc franchement, c'est super agréable de commencer et d'avoir une première expérience ici à Manigo. Je viens d'arriver en bas de Saint-Gervais, donc je vais faire des petites courses à Intermarché, prendre de quoi manger ce midi, boire un petit peu, et puis après, direction le camping, donc une nouvelle montée, mais cette fois-ci en voiture, avant d'attaquer celle de demain à pied. Ça y est, installé au parc thermal, donc pour le repas de ce midi, ce que vous avez derrière moi, c'est le parc thermal et c'est là que je vais prendre le départ demain matin pour ma montée vers le Honeydale. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand monde, mais demain, ça sera rempli de coureurs. Et bon appétit, et bien sûr, au menu ce midi, c'est salade de pâtes, poulet, emmental, un peu de tomate et le dessert. Je vous montrerai, mais le dessert, ça vaut le détour. Je vais vous montrer ce que c'est. Je peux pas passer un week-end de compétition sans en manger un. Ou une. Enfin, sans en manger, quoi. Je vais vous montrer. Alors, ça se passe là-dedans. Et c'est... Une tarte au citron meringuée. À la vôtre. Si vous savez pas quoi m'offrir un jour... À mon anniversaire, à Noël, une tarte, ça suffit. Très bien. Ça y est, je viens de payer mon emplacement pour la nuit de camping de ce soir. Et ils m'ont fait un tarif spécial course du Honeydale, donc ça c'est cool. Donc j'ai payé un petit peu moins cher que prévu, voire même beaucoup moins cher.
essayer de récupérer le dossard parce que sans dossard, c'est un peu plus compliqué de courir. Bon bah ça y est, c'était ultra rapide. J'ai récupéré mon dossard. A priori, je suis le dossard 106, mais j'ai pas encore ouvert l'enveloppe, donc je sais pas trop. Le petit t-shirt bleu qui va avec, donc voilà, traditionnel. Et maintenant que j'ai tout ça, je vais pouvoir aller faire un petit tour en ville. Donc je vais vous emmener avec moi, je vais filmer et je prendrai peut-être une glace, c'est pas sûr. Mais voilà, je vous emmène en ville avec moi pour faire un petit tour de Saint-Gervais. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. I'll be right behind you, Josephine. Even after everything we've seen, in this sterile room with blinding lights and faces pointing down, I only wanna scream, but still I just can't make a sound. Now hold my hand, hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone. Josephine, I won't leave you waiting in this dream. While you watch the people speaking words you can't quite comprehend. Donc ça y est, il est 21h40, 21h45, donc il fait presque nuit. Là je m'éclaire avec la frontale avec laquelle je vais lire ensuite un petit peu encore. Demain matin, le lever est à 6h30, donc je vais vraiment pas tarder à me coucher. Le sac pour la course est prêt, il n'y a pas grand chose dedans. Le sac d'assistance avec des vêtements de rechange pour l'arrivée est prêt aussi, donc ça c'est tout bon. Donc demain matin, il n'y a plus qu'à lever le camp, ranger la tente, ranger le duvet, ranger le matelas, le tout dans la voiture. Après, petit déj et ensuite direction le départ et puis ça sera tout bon. Vous n'allez pas aller vous coucher tout de suite, mais je vous souhaite quand même d'ici une bonne nuit pour vous là où vous êtes. Faites de beaux rêves et moi demain matin j'attaque pendant que vous finissez votre nuit, donc pensez à moi dans vos rêves s'il vous plaît, j'en ai besoin. Allez, ciao, bonne nuit. Tchou. Bon bah il est 6h30, la nuit fut bonne mais un peu froide sur la fin. Donc plutôt cool. Là je vais m'habiller, ranger la tente, ranger tout ce qu'il faut. Et puis après, il sera temps de bouger pour prendre le petit déj. Et après de courir. Allez, c'est parti. Il faut se motiver. I'll be right behind you, Josephine. Even when my soul's an amputee. My bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I wanna feel a little less alone. On est au 8ème kilomètre et tout pour l'instant. Tout va à peu près bien, donc je continue. Mmh.
viens de passer le 11e kilomètre. Et là, la montée vraiment costaud arrive. Donc, les 8 derniers vont être plus longs que les 11 premiers. Mais pour l'instant, ça va, j'ai plus si mal aux jambes que ça. Donc tout va bien. C'est vraiment une super ambiance, il y a du monde partout pour encourager, c'est génial. Et puis, le paysage est quand même magnifique. Bon, il reste 1,5 km, un petit peu moins. Et là, depuis tout à l'heure, ça fait 4 km que ça grimpe sec. On vient de tout en bas, là. Et je peux vous dire que ça fait mal aux pattes, même si, bizarrement, je double plus que je ne me fais doubler. Donc, plutôt cool. Mais là, c'est beau, hein, y a pas à dire. Il faut que ça s'arrête parce que je commence à avoir mal partout. Au canne, en plus avec ce que j'ai fait hier, et au dos parce que je suis pas habitué à monter comme ça, c'est pas à Paris que ça monte aussi raide, d'autant plus que je connais un petit peu là-haut et que je sais que c'est encore plus magnifique, donc j'ai hâte, vraiment hâte. Ça fait 4-5 minutes, mais j'ai préféré reposer parce que j'avais du mal à respirer à la fin. Donc j'ai réussi à faire moins de 3 heures, c'est un peu ce que je voulais faire. Je finis en 2h52 à peu près. Donc là, je vais me changer avec des affaires sèches parce qu'il y a du vent et qu'il fait pas chaud. Vous avez vu un peu la vue qu'on a. On vient de tout en bas là. On vient de dans le bas là-bas. Voilà. Et donc, il y a un super parcours, c'était vraiment le top. Et donc je mets des affaires sèches, je reprends le petit train pour redescendre, le TMB, le tramway pour redescendre jusqu'au parc thermal, donc beaucoup plus bas. Cette fois-ci il y a un petit train, pas comme hier, et puis après je prends la route et direction Paris en espérant que j'ai pas trop mal aux jambes. Retour à la voiture et c'est reparti pour 5 heures de route direction Paris. Ça va être dur. Bah voilà, c'est la fin du week-end, c'est l'heure pour moi de rentrer à Paris. J'espère que vous avez bien aimé me suivre pendant mes deux courses. Moi j'ai kiffé vous faire vivre ça, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures. Allez, ciao! Maintenant tu m'abandonnes, j'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde, j'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sur un abandon. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes, j'ai mérité.
crois que je suis de bonne humeur et que je suis prêt à y aller là, ça y est.